D'ici là, on a mis à disposition des professionnels, une marketplace sur le site et on a lancé des webinaires tous les mois et une newsletter également pour vous donner des conseils concrets et des pratiques et des bonnes pratiques, voilà, pour vous accompagner pendant cette période. Donc ça, c'est la partie Food Hotel Tech. Je vais mettre fin au webinaire, au sondage. Voilà. Et maintenant, après m'être présenté, moi, je vais demander à Omar de se présenter. Omar, si tu peux nous en dire un petit peu sur ton activité, sur ce que tu fais aujourd'hui, sur ton établissement et sur les bonnes nouvelles que vous avez eues récemment, par exemple. Bonjour à tous. Donc, je suis hôtelier restaurateur sur Étretat. On a trois affaires. Donc, on a trois restaurants et un hôtel qui représente aujourd'hui 25 chambres. On a une trentaine de collaborateurs sur Étretat. Donc, une affaire saisonnière. Activité, alors maintenant un peu à l'année, parce qu'on bouge bien habituellement quand on est en situation un peu normale. On a réouvert depuis le 20 janvier, parce qu'on avait fermé après les fêtes jusqu'au 20 janvier. On a réouvert récemment. On fait de l'hôtellerie et du room service. Donc, on maintient un peu l'activité pour maintenir les équipes en présentiel pour une partie d'entre eux. Voilà, donc on a passé une année 2020, j'ose le dire, et je commence comme ça, où on a gagné pour nous 5 ans. Donc, 5 ans dans notre vision du business et vision en fait de notre métier, mais je pense en parler un petit peu plus tard, tout à l'heure. Oui, on va en parler tout à l'heure. C'est la raison pour laquelle Omar est avec nous. Il a vraiment une vision et il a profité de la crise, profité si on peut dire, en tout cas, pour tout remettre à plat. On va d'abord parler de Mathieu et puis après, on ira au vif. Donc, Mathieu, est-ce que tu peux nous parler un peu de toi ou de LearnJob plutôt? Oui, bonjour à tous. LearnJob, Donc, comment est disparu? Mathieu Paulet, je suis le cofondateur de cette société LearnJob. LearnJob, on est un éditeur d'une solution technologique qui aide les hôtels à améliorer l'expérience client. Donc, ça veut dire beaucoup de choses, mais très concrètement, ça permet de fluidifier le parcours client. Ça permet également aux équipes de gagner en productivité. Et puis, au détour de tout ça, d'essayer de générer du chiffre d'affaires additionnel et fidéliser un peu plus les clients. Voilà un peu les idées derrière notre entreprise, mais on va en parler tout à l'heure, j'espère. En tout cas, on va parler de ta connaissance, de ton expertise, de tous ces outils qui permettent d'être en période de crise, de rebondir avec un bon marketing. Concrètement, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On le sait, la crise, elle impacte tout le monde. Selon une dernière étude, 95% des hôteliers ont été impactés par la crise, dont 60% sévèrement. Omar fait partie de ceux qui ont su gérer la crise et du coup l'hôtel marche bien, tourne bien, mais la plupart des hôteliers sont vraiment en difficulté aujourd'hui. Donc en fait, on a deux profils. On a les hôteliers qui ont fermé, qui ont fait le choix de fermer, les équipes au chômage partiel, les villes qui ne tournent pas, il y a les destinations qui ne fonctionnent plus. Et la deuxième partie d'hôteliers, c'est ceux qui sont restés ouverts. Donc au sein de ces deux parties, il y a des hôteliers qui ont choisi de mettre à profit cette période, de ne pas la subir et de refondre leur stratégie, soit leur stratégie complètement globale, soit leur stratégie marketing. Et ce qui se passe, c'est que au moment de refondre, c'est aussi un moment pour faire des choix. Et on a eu beaucoup de retours d'hôteliers qui nous ont dit, moi, je vais couper sur mes coûts, je veux savoir quels outils je dois privilégier, d'où le sens de ce webinaire aujourd'hui. Donc la première chose, c'est qu'aujourd'hui, on vous a parlé de marketing de crise. Je vais avancer. Le marketing de crise, ça impose de se poser la question de savoir si on continue avec le marketing d'acquisition ou si on fait un choix de se concentrer sur le marketing de fidélisation. On sait qu'un client, pour l'acquérir, ça coûte en moyenne 7 fois plus cher que pour le fidéliser. Donc, d'autant plus qu'aujourd'hui, acquérir un client, on se pose la question de savoir s'il y a encore des clients à acquérir en ce moment. Donc, c'est plutôt, on anticipe la reprise, qu'est-ce qu'on fait, comment on fait patienter nos clients ou comment on en trouve des nouveaux. La notion de marketing d'acquisition, c'est finalement ce qu'on a tous en tête facilement, c'est les ads.
Facebook, les ads sur Google, et c'est souvent les premiers coups sur lesquels les hôteliers ont choisi de stopper en ce moment. Pour autant, il y a plein d'autres possibilités pour jouer la carte de l'acquisition ou de la fidélisation. Peut-être Mathieu, Omar, Omar en premier, comment tu fais pour qu'est-ce que tu utilises comme levier pour fidéliser tes clients ou pour les acquérir? On parle de marketing. Il y a un premier sujet qui, enfin, ça revient en fait à ce que tu viens de dire, c'est la notion de la consolidation, de la fidélisation et de la conquête. Aujourd'hui, on est sur différents supports sur lesquels on arrive en fait à consolider notre clientèle. L'idée, enfin, je voudrais revenir un peu à la genèse parce que tu parlais en fait de ceux, des hôteliers qui en fait ont souhaité plutôt prévoir et avoir une vision plutôt de se reconstruire ou de se réinventer en fait d'une certaine manière, même si j'aime pas trop ce mot-là. Mais l'idée, c'était en fait, au moment où on a reçu la gifle, ça a été de repartir en essayant de se rapprocher le plus possible de notre clientèle, en valorisant le Cardex, en essayant d'être un peu plus proche d'eux. Non pas seulement on va que en parler. La relation... Pardon ? On va en parler, Omar. Ouais. La partie Cardex, mais, on va en parler. Mais l'idée, c'était en fait de se dire, on se met dans une notion où on essaie de refidéliser avec l'outil qu'on a en fait en interne aujourd'hui, qui reste notre PMS sur lequel on travaille énormément et aussi sur des outils qu'on est en train de développer au fur et à mesure. Alors après, il y a encore des choix qu'on est en train de faire stratégiques, mais on va continuer à travailler là-dessus en la fidélisant. Mais concrètement, quand tu as choisi de refondre ta stratégie, on sait que la raison de fond, on va en parler juste après, c'est d'impliquer c'est avec tes équipes, hein, c'est de faire en sorte que les équipes soient impliquées et d'aller vers une vision surtout. Mais quels ont été les points de friction que tu as pu rencontrer avant la crise et qui donc étaient pour toi des objectifs d'amélioration, des axes d'amélioration? Quand avant la crise, quand on avait fonctionné, évidemment, les OTA étaient un problème récurrent et évident, on a souhaité à un moment se poser la question de comment on allait en fait traiter notre clientèle au moment de la reprise. Et donc, on a eu une reprise en fait en début juin. On a commencé à considérer qu'il fallait qu'on dégage notre relation vis-à-vis d'eux et qu'on puisse se positionner, nous, directement en relation directe avec la clientèle qui était déjà fidèle de l'établissement et qu'on consolide cette partie-là. Donc, on a augmenté notre parité tarifaire, où en fait, on a déplafonné la tarification. On a considéré que le client, malheureusement, devait en subir les conséquences, mais on devait en fait la réintégrer, la ramener en fait directement en direct chez nous pour qu'elle ne passe plus par les plateformes. Donc, ça, c'est ce qu'on avait fait. Mais au-delà de ça, on avait quand même commencé à reprendre le contact avec eux sur le contenu en fait de la maison, en prenant la parole directement sur les réseaux sociaux, en valorisant notre Instagram. Et donc, on avait fait un cheminement depuis 3 ans sur on parle de notre région, on parle de notre territoire, on parle de ce que nous faisons et on construisait en fait notre relation vis-à-vis d'elle. Et progressivement, on a réintégré l'établissement dans les points de valeur ou les points de différenciation. Et ça nous a permis d'avoir vraiment une communauté qui en fait est devenue une famille, est devenue des potes, des gens qui nous ont suivis et qui se sont rattachés en fait à l'établissement et qui ont considéré que la maison devenait un lieu en fait de vie permanent. Et on a fidélisé après avec des emails et des campagnes d'emailing en fait réguliers pour redonner du contenu et l'actualisation. Alors au-delà de ça, alors là on est complètement dans l'acquisition, hein, mais aussi dans la fidélisation. Mais toi, tu l'as fait avant le Covid, tu as commencé à mettre en place cette stratégie. Il faut quand même donner de l'espoir aux hôteliers qui n'avaient pas le temps précédemment de se mettre là-dedans. Et le Covid est un moment, s'il y a un choix marketing à faire en ce moment, c'est de poser une stratégie de réseaux sociaux et de créer, de tisser une histoire, de partir sur du storytelling et de raconter l'histoire de son établissement, de sa destination. C'est un moment intéressant. Mais au-delà de ça, tu as travaillé aussi, il me semble, sur ton site internet, parce que tu me parles de réservation, tu me parles d'intermédiaire, d'OTA. Il y a la notion de faire en sorte d'avoir des réservations en direct. S'il y a un choix marketing dans ce marketing de crise, c'est bien de faire en sorte que les clients connaissent en tout cas puissent accéder, voient notre site internet et donc réservent en direct. Tu as fait un travail sur ton site, il me semble aussi. Ouais, on a fait un travail de refonte sur la totalité du site web et on a commencé à travailler directement sur la refonte avec. Alors, on a travaillé avec Happy & You sur le sujet.
On a refait la refonte totale, mais on voulait amener à ce que le client puisse choisir chaque chambre dans son séjour. C'est-à-dire qu'au-delà de l'histoire qu'on a construite au fur et à mesure, toute l'histoire de la région, toute l'histoire du territoire, toute l'histoire de la maison, où on a essayé de donner du contenu et d'actualiser en fait les choses de manière pertinente, on a voulu après que le séjour soit choisi par le client et qu'il choisisse sa chambre, son histoire, qu'on l'intègre dans la maison, qu'on l'amène à ce que progressivement, ça ne devienne pas qu'un choix, ça ne devienne plus un hasard. Il n'y a pas de hasard dans la vie. Il fallait qu'on donne au maximum de l'information pour que le client, finalement, se dise « j'ai choisi cet établissement-là et je ne choisis plus une destination ». Et c'était ça qui était intéressant, c'est qu'on a réussi à construire au fur et à mesure des années, en fait, au moment où on a décidé un peu de recréer cette histoire en 2017, c'est qu'on racontait et on faisait un storytelling qui était suffisamment attractif et suffisamment pertinent pour créer une expérience pour le client. Donc là, ce que tu es en train de dire, c'est qu'il y a eu vraiment un choix de mener un parcours client de A à Z et une stratégie cross-média, enfin, des médias sociaux et du site Internet en cohérence, quoi. Il n'y a pas de distinction entre d'un côté le site Internet et de l'autre côté les réseaux sociaux. Tout était en lien. Si on reprend la genèse, en fait, même du projet, parce qu'elle est venue de là, hein, quand même, mais à partir du moment où on reprend la totalité du parcours client, on commence à au moins comprendre ce que le client souhaite et qu'est-ce qu'il désire. Nous, on est parti de plusieurs étapes dans notre construction, notre reconstruction, mais ça a été un des éléments, ça a été the soul, l'âme du lieu, l'âme de notre métier, l'âme du pourquoi on fait ce qu'on est en train de réaliser. Et à partir du moment où on a commencé à comprendre pourquoi on faisait les choses, ça a été beaucoup plus facile de définir en fait un peu notre parcours client. Donc d'abord, il y a eu la raison d'être qu'on a définie. On a ensuite défini le parcours client qui est venu en fait naturellement. Mais là où ça nous a aidé, c'est qu'on a commencé à identifier en fait des éléments qui étaient l'océan bleu. Notre océan bleu, c'était le besoin pour nous de nous différencier par rapport à d'autres. Et de là, ce sont devenus des évidences. Alors sur l'acquisition, sur la fidélisation, sur la conquête, ça a été en fait un travail permanent. Et ça nous a permis de nous orienter directement sur des choix globaux, peut-être des fois des niches de marché, peut-être aussi une communauté qui attendait autre chose, surtout dans des moments aussi anxiogènes et aussi difficiles. C'était en fait de les écouter pour qu'on puisse s'adapter en fait à leurs attentes. Ok, d'accord. C'est vraiment du marketing de contenu pour le coup. C'est de faire en sorte de non pas de descendre un message, mais de le faire en fonction de ce qu'attend la cible, quoi. Mathieu, est-ce que tu peux nous citer des exemples de partenaires toi tu es sur le parcours client avec l'outil une fois que le client est sur place ou juste avant qu'il arrive, mais comment tes clients, est-ce qu'ils complètent ce parcours client avec des outils comme viennent de le citer Omar, comment ils se comportent la plupart de tes partenaires? Alors, on a plein de cas de figure. On a 2600 hôtels avec qui on travaille, donc on voit un peu tout le panel. Les meilleures pratiques. Mais j'ai quelques petites choses qui me viennent en tête. Ce qui est certain, c'est qu'à partir du moment où la demande a baissé de manière dramatique, pour les hôtels qui ont décidé de rester ouverts, ils ont dû vraiment réfléchir à quoi faire et comment s'y prendre. Et à cibler énormément les actions. Donc, même en termes de publicité online, on a des clients qui ont, même si ce n'est pas notre domaine, mais enfin, on discute pas mal avec nos clients, il y a des clients qui ont malgré tout continué à investir un petit peu sur des actions extrêmement ciblées et en particulier sur des publicités géolocalisées. Des hôtels en Normandie qui ont ciblé la clientèle parisienne. Je pense à un hôtel en montagne qui a ciblé la clientèle lyonnaise, donc des gens qui sont à une heure ou deux de voiture de l'hôtel. Donc ça, c'est la première chose, y compris sur la publicité online. Mathieu, je t'interromps, mais est-ce qu'à partir du moment où c'est bien ciblé, c'est moins coûteux? En tous les cas, ça coûte très très cher quand même. En tous les cas, l'idée, c'est effectivement d'essayer de maximiser le ROI, parce que si je fais une pub sur tous les gens qui ont entre 30 et 50 ans, qui correspondent à ma typologie d'hôtel, dans le monde entier, c'est sûr que si j'ai un hôtel à Lyon, il y a quand même beaucoup de gens qui ne vont pas être concernés par mon offre.
je vous rappelle, hein, à la fin du premier confinement, on ne pouvait cibler que les clients. Enfin, on ne pouvait voyager qu'à 100 km de chez soi. Donc, il y a eu beaucoup d'actions pour aller cibler vraiment les clients qui étaient à 100 km de son établissement. Donc ça, c'est les Facebook, Google, etc. permettent de faire ça, Facebook, Instagram en particulier. On a aussi vu nos clients qui ont utilisé nos technologies pour aller faire des actions sur leur base client, donc d'anciens clients, de manière aussi géolocalisée, en utilisant par exemple les codes postaux. Je suis en Normandie, peut-être que Omar a fait ça d'ailleurs, je suis en Normandie. Ça ne fait pas trop de sens. Les gens peuvent venir peut-être le week-end à l'hôtel. Ça ne fait pas trop de sens d'aller cibler des gens qui sont à 800 km de là, qui sont peut-être venus l'année dernière, mais qui ne pourront pas revenir juste pour un week-end, sans parler du non-sens actuellement d'aller cibler une clientèle américaine, par exemple, ou étrangère en tous les cas, qui ne peut pas voyager. Donc, avec cette crise, ce qui est sorti, c'est cette nécessité de faire des actions beaucoup plus ciblées, beaucoup plus segmentées. Et puis après, sur le contenu proprement dit de ces publicités, de ces newsletters, là aussi, il y a une réflexion à avoir et mettre en avant les atouts de l'établissement et de la destination en fonction de la typologie auquel on s'adresse. Même chose. Si j'envoie la même newsletter à tout le monde, je vais cibler des Français, des gens de la Côte d'Azur, des Parisiens, des Bretons et aussi des Belges et peut-être des Américains. Je ne peux pas raconter la même histoire que si je ne cible que des gens qui habitent à 200 km de mon hôtel et qui ont une relation avec la région un petit peu différente. Donc, au-delà du ciblage, il y a aussi le contenu qui doit être adapté à la cible. Et le dernier truc qu'on a vu intéressant dans un hôtel, un hôtel à Flaine qui s'appelle Totem, pour le citer, tiens, eux, ils ont développé un truc intéressant qu'on a fait un peu avec eux. Enfin, du moins, il y a une coordination avec leur agence de communication qui leur a développé des pages d'accueil spécifiques. Donc, typiquement, une page d'accueil qui ciblait les clients qui pouvaient venir à l'hôtel que pour le week-end. Donc, ils ont fait des newsletters avec nos technos géolocalisés en fonction des codes postaux, donc vraiment sur les gens qui étaient à peu près 2 heures de l'hôtel. Et à la fin de l'email qui donnait envie de venir, il y avait un lien qui renvoyait sur le site Internet, mais il ne renvoyait pas sur la home page du site Internet, il renvoyait sur une home page dédiée, ce qu'on appelle une landing page spécifique, qui mettait en avant vraiment l'expérience dans cet hôtel le temps d'un week-end à la montagne. En expliquant qu'on ne pouvait pas faire de. Enfin, là, je parle d'un truc Mathieu, en janvier. Donc... Je t'interromps, Mathieu, mais. Ouais. Mathieu, je t'interromps, mais ce travail-là de travail sur une landing page, à partir du moment où on fait des ads, il doit être fait, puisque quand on propose un ciblage, quand on fait des ads, qu'elles sont bien faites, qu'elles sont ciblées, et ça, c'est un travail aussi, il y a un travail à mener en ce moment, c'est de créer des landing pages vraiment ciblées pour que le client qui clique sur votre ads, il ne retombe pas sur votre page d'accueil de site, parce que. En termes de ROI, vous pouvez perdre potentiellement des clients. Donc, la landing page, Mathieu, elle a du sens dans une campagne d'emailing, comme tu viens de la citer, mais aussi dans toutes les campagnes d'ads. Complètement, c'est un peu c'est la même chose. Mais par contre, on se rend compte que ce n'est pas si courant et que tous les sites Internet ou les technologies que vous utilisez pour faire des sites Internet ne permettent pas de le faire. Donc, en tous les cas, c'est quelque chose qui est intéressant de travailler. En tous les cas, l'idée, c'est que le client, en fonction de la typologie du client et de la provenance du client, il consulte un site internet qui soit adapté. Ça, c'est important. Et effectivement, ça va augmenter le taux de conversion. Ok. Bon, alors, avant de passer au point suivant, je vais vous demander à tous de répondre à un petit sondage. On ne va pas en faire d'autres, hein, je vous rassure. Ça sera le seul du webinaire. L'idée, c'est de savoir quels sont vos besoins, parce qu'en fait, à Food Hotel Tech, ce qu'on veut, c'est vraiment pouvoir proposer. Alors, juste un petit instant. Tac. L'idée à Food Hotel Tech, c'est vraiment ce qu'on souhaite, c'est proposer des solutions qui répondent aux besoins, voire même les anticiper. Et donc, ce qu'on veut, c'est savoir ce dont vous avez besoin, ce dont vous souhaitez vous équiper. Si vous n'avez pas les réponses dans le sondage, Omar, tu peux répondre. Hein.
au sondage. Hein. Donc, si les réponses ne sont pas, vous pouvez nous répondre en commentaire. L'idée, c'est qu'on puisse vous proposer les solutions les plus pertinentes hein, qu'au salon, vous trouviez, et sur la marketplace, vous trouviez tout ce dont vous avez besoin en termes de solutions digitales et d'outils techno. Donc, je vous laisse répondre. Il y a une partie front office et une partie back office. On est un peu tourné comme ça parce qu'on est limité en nombre de réponses. Pareil, avant la fin du webinaire, si vous voulez poser des questions, vous pouvez les poser dans le chat, on sera ravis d'y répondre. Alors, les nouveaux systèmes de paiement, ça a l'air de marcher pas mal. On a beaucoup de check-in, check-out sur smartphone, mais ce qu'il emporte, on va le partager après. Hein. Vous n'êtes pas nombreux à avoir voté pour l'instant. On a la notion de gestion de l'irréputation, du coup, Mathieu ou Omar. Omar, est-ce que la partie irréputation, qui pour le coup fait partie de ce marketing de crise en ce moment, hein, les avis clients ont un peu évolué, sont un peu différents en ce moment. Est-ce que tu as mis un intérêt particulier sur cette notion d'irréputation? C'est un intérêt permanent. C'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas quelque chose qu'on doit mettre de côté, quoi qu'il arrive. C'était déjà le cas avant alors? C'était déjà le cas auparavant, on continue et c'est quand même plus accentué parce que les gens ont passé tellement de temps à la maison qu'ils veulent avoir une expérience qui soit totale. Il faut qu'on soit attentif sur la qualité des prestations qu'on fournit. Ils sont plus exigeants quand même malgré tout. C'est pas parce qu'on a été, nous, dans une situation extrêmement délicate qu'ils considèrent que le produit ne doit pas être à la hauteur. Donc, ils sont attentifs, devenus encore un peu plus experts. Parce qu'il ne faut quand même pas oublier qu'il y en a quand même un paquet qui ont fait à bouffer chez eux pendant un certain temps. Donc, si on le fait rappel par rapport à la restauration, c'est un peu plus précis. Sur l'hôtellerie, ils sont attentifs aussi parce qu'ils sont tous transformés en bricolage et puis en fait en prestations autour. Donc, non, il faut faire attention. Il faut savoir répondre correctement. Il faut être un peu… Il faut pas laisser ça de côté. Il ne faut pas considérer qu'ils se sont transformés… du jour au lendemain, avec beaucoup de bienveillance. Il faut être quand même attentif et il faut faire attention à nos prestations en interne. Est-ce que tu fais en sorte que les réponses à avis de ton établissement soient un outil de marketing? Parce que c'en est un. Hein. Est-ce que tu t'en sers pour valoriser ton offre? Pardon, j'ai pas entendu la question. Est-ce que tu te sers des réponses à avis pour faire du marketing? Est-ce que les réponses à avis sont un moyen de valoriser ton offre? Alors, je le fais à deux niveaux. Je le fais en fait au premier niveau qui est d'entendre et d'écouter les clients en direct. Et je le fais en fait à un autre niveau qui est celui en fait de regarder les stats générales sur les retours clients. Donc, sur les avis en ligne que nous avons en interne, évidemment je récupère la totalité des données qui me permettent de faire deux choses. Un, d'avoir le retour de la qualité perçue en fait du client, donc ça c'est quand même l'approche qui est peut-être pas en fait factuelle, et ça me permet d'avoir en fait du retour sentimental par rapport à leur expérience. Et la deuxième partie qui est plutôt factuelle et qui est cette fois-ci concrète sur le confort ou l'avis qu'ils ont par rapport aux chambres ou aux prestations techniques qu'ils ont au sein de la maison, et ce qui me permet en fait d'entamer les travaux, ce qu'on a fait nous également pendant cette période-là. Okay. Donc, c'est un outil managérial pour toi. Absolument. D'accord. Bon, je vais mettre fin au sondage et on va passer sur la suite parce qu'en fait, le temps passe très vite et on est bientôt déjà à la fin du webinaire, donc il faut qu'on avance. OK. Donc, la prochaine partie, avant qu'on passe aux outils, au reste des outils, c'est le personnel qui est un acteur incontournable dans ses choix d'outils et de cette notion de marketing. En fait, c'est faire en sorte que les équipes à la fois s'approprient les outils, parce que si elles ne se les approprient pas, elles ne savent pas les utiliser. La plupart des hôtels, par exemple, utilisent 20% des potentialités de leur PMS. Et c'est l'outil de base. Donc, faire en sorte que les équipes comprennent l'intérêt de l'outil, les adoptent, se les approprient et du coup, les transforment en un vrai avantage pour l'hôtelier. Omar, juste est-ce que tu peux nous parler de ce que tu as fait pour impliquer tes équipes depuis le début de cette crise? Encore une fois, je reviens sur les outils. Hein. Ouais, je reviens en fait sur la notion de la gifle. Aujourd'hui, on a d'abord avant tout intégré les équipes pour qu'on puisse parler en fait ensemble et qu'on définisse
exactement la bonne stratégie qu'on devait en fait mettre ensemble en place. Donc d'abord, c'est un outil de communication en fait en interne, et donc ça, c'est le point essentiel, c'est d'arriver à communiquer entre nous pour que le service et l'information passent plus facilement ensemble, d'abord. Et donc ça, c'est la fondation première. La deuxième, c'est toute la communication qu'on doit avoir avec le client. Donc ça, c'est toute la stratégie qu'on est en train de mettre en place actuellement sur la flexibilité et la facilité qu'on doit donner au client pour qu'on puisse parler avec lui. Et donc là, ça, c'est un outil. Enfin, on va mettre ça en place là d'ici quelques semaines. Un outil qui va nous permettre de communiquer plus aisément avec le client et avec lui en direct. Parce que ça, jusqu'à aujourd'hui, on ne l'avait pas. On ne faisait que de l'humain et que du relationnel humain, et on avait toujours une peur d'utiliser trop le digital. Mais finalement, le digital va nous servir à créer encore un lien supplémentaire avec cette clientèle qui s'est digitalisée, qui même dans des établissements plus modestes comme les nôtres, en fait, ont besoin d'avoir de la facilité de contact avec nous. Et donc ça, on va créer en fait une vraie application en fait en interne qui va nous permettre en fait de leur donner en fait un accompagnement de leur séjour. Et ça, c'est pour moi important. Et ce qui va nous permettre de valoriser, alors après à terme, via la qualité du Cardex qu'on va donner, de donner en fait une force plus importante au CRM et de cibler en fait notre communication par rapport à la clientèle. C'est-à-dire qu'on va pouvoir la toucher correctement et en fait lui parler en fait exactement sur ce qu'elle attend d'avoir comme information. Mais du coup, tu peux nous en dire plus sur, justement, tu viens de nous parler du Cardex. Qu'est-ce que tu as demandé à tes équipes par rapport au Cardex? Comment tu les as accompagnés parce que c'est l'outil que tout le monde a, que tous les hôteliers ont. Ça ne coûte pas plus. Vous l'avez déjà, vous en êtes équipé. Comment tu le transformes en nouvelle force? Dans notre vision 2026, on a fixé en fait comme élément la qualité, l'environnement et la communication. Communication interne et externe. Et sur un des éléments sur lesquels on a travaillé, ça a été de dire maintenant, c'est information client tout le temps, à chaque instant, à chaque moment. Donc, ça veut dire qu'à chaque fois qu'on a une information que l'on prend, lorsqu'on prend une réservation directement du client, on se doit de marquer des informations sur forcément d'où il vient, sa date de naissance, quand on peut l'avoir, se préoccuper de lui en essayant de savoir pourquoi il vient séjourner à la maison, c'est-à-dire qu'on prend du temps à parler avec le client, soit au moment de la réservation, soit avant qu'il n'arrive, soit pendant son séjour. Et l'idée, c'est que tous les services aujourd'hui se doivent de remplir l'information. Ça va de forcément de ses allergènes ou ses allergies ou ses passions éventuellement lorsqu'il vient chez nous, comme jusqu'à la bouteille de vin qu'il a choisie, la chambre qu'il a choisie, la raison pour laquelle il a choisi cette chambre-là et l'occasion qu'il a choisie en fait, pour venir chez nous. Mais ça veut dire qu'il faut à la fois une attention plus importante à ce que fait le client pendant son séjour, mais également du temps pour les équipes pour noter tout ça. Absolument. Et donc, c'est aujourd'hui, le client vient dans des établissements comme les nôtres pour passer du temps et pour profiter en fait de ce moment-là avec nous. Donc, on doit lui accorder du temps. Donc, évidemment, ça veut dire de la création d'emplois aussi pour qu'on puisse en fait être attentif sur le sujet. Et forcément, c'est un peu une méthodologie, une structuration du travail qui est un peu différenciante, mais qui en fait est un passage obligatoire pour qu'on puisse nous faciliter le travail pour la suite. Tu le disais en introduction au départ, c'est plus difficile en fait d'acquérir de la clientèle que de la fidéliser. Aujourd'hui, en fait, on doit en fait fidéliser cette clientèle-là. Ok, Mathieu, tu peux compléter un petit peu sur les outils, comment ils peuvent être utilisés et quels outils sont indispensables finalement en cette période? Oui, il y a plein de choses à dire, mais juste pour rebondir sur le dernier point de Omar, je pense qu'il y a un vrai sujet, et peut-être que la crise a aussi, si on voit les aspects positifs de cette crise, plutôt de négatifs, mais enfin, si on voit les aspects positifs, ça a aussi amené les équipes dans les hôtels, du management ou vraiment aux opérationnels, à re-réfléchir son quotidien et peut-être à faire des tâches nouvelles par rapport à ce qui se faisait autrefois. Et c'est là où des outils peuvent aussi aider à libérer du temps sur certaines tâches finalement assez chronophages et à faible valeur ajoutée pour en libérer du temps à d'autres choses à plus forte valeur ajoutée et typiquement aller au devant des clients, leur poser des questions pour améliorer leur séjour, mais aussi pour enrichir sa base de données. Et ça, c'est peut-être avec des recrutements en plus, mais c'est aussi avec la suppression de certaines tâches pas très intéressantes et qui prenaient beaucoup de temps.
Ce que je peux dire aussi un peu au retour d'expérience de ces derniers mois, pour les dormir à l'hôtel, ce n'est plus exactement comme avant. Et pour les gens qui avaient l'habitude de dormir à l'hôtel, bah, dorénavant, il y a quand même quelques règles de fonctionnement, quelques contraintes. Le petit-déj n'est pas forcément en libre service. Les horaires de la piscine ou du spa pour les hôtels qui en ont sont différents, etc., etc. Et on ne se rend pas compte, mais pour un client qui passe d'un hôtel à l'autre, et ça a été le cas où je l'ai vécu personnellement, puis j'ai eu beaucoup de feedback dans ce sens-là cet été, en fait, d'un hôtel à l'autre, les règles de fonctionnement sont différentes. Et ça amène à quelque chose, c'est qu'il y a encore plus besoin que d'habitude actuellement de proactivement informer les clients sur comment ça va se passer. Qu'est-ce qu'on pourra faire, qu'est-ce qu'on ne pourra pas faire, qu'est-ce qui est nouveau, sur quoi il faut faire un peu plus attention que d'habitude, etc., pour devancer les inquiétudes des clients. Donc ça, c'est un aspect, il y a un besoin d'information qui est peut-être un peu plus fort aujourd'hui que ça l'était autrefois. Communiquer de manière transparente, mais surtout communiquer de manière proactive sur les choses un petit peu nouvelles qui ont lieu à l'établissement. Et ça, c'est bien sûr en phase d'acquisition, mais c'est plus le sujet maintenant, mais aussi une fois que le client a réservé, sur les quelques jours ou parfois quelques heures avant d'arriver, bah, proactivement aller au-devant des clients avec quelques informations clés. Donc là, ça nous a énormément occupé ces derniers mois d'aider nos hôtels, nos clients à mieux travailler l'information en pré-séjour avec des emails très, très précis et adaptés en fonction de des destinataires, des SMS et toutes sortes de choses comme ça. Puis un autre sujet qui est très important actuellement, qui est de dématérialiser, on dit souvent ça, le parcours client et les procédures d'arrivée et de faire un certain nombre de manipulations qu'on faisait autrefois au comptoir de la réception, bah de faire en sorte que les clients puissent les faire eux-mêmes dans leur propre environnement, pour faire simple, sur leur smartphone. Donc, c'est là où on parle dans de check-in. Hein, ce que tu dis a été complètement validé dans le sondage. C'est un outil qui est intéressant pour les hôteliers, apparemment. Ouais. Et donc là, mais là aussi, il faut le faire intelligemment. Et c'est là où la donnée client est utile. C'est que le client qui revient régulièrement, il y en a. Les gens qui voyagent encore pas mal, c'est les voyageurs d'affaires, les techniciens, les commerciaux, etc., qui doivent se déplacer. Et ben, s'il y a un client qui revient toutes les semaines à l'hôtel, il ne faut pas lui dire la même chose, il ne faut pas lui envoyer les mêmes informations qu'un couple qui vient passer le week-end à l'hôtel. Ils n'ont pas les mêmes besoins, ils n'ont pas les mêmes attentes. D'autant plus s'il y en a un qui revient toutes les semaines versus un couple qui vient pour la première fois à l'hôtel. Donc, il y a un gros sujet toujours de données et par-dessus d'un parcours client qui soit personnalisé. Et dans les sujets aussi, et je crois que ça apparaissait dans le sondage, c'est bien de dématérialiser la fiche de police, etc. Mais il y a le truc qui prend beaucoup de temps, c'est le paiement. Et donc, une des choses qui se fait de plus en plus, c'est de dématérialiser ce qu'on fait habituellement sur le TPE, sur le comptoir de la réception, qui est la préautorisation qui va faire en sorte que l'hôtel se garantisse d'être payé à la fin du séjour. Donc ça aussi, c'est des choses qu'on peut faire aux clients en pré-séjour. Et ça aussi, ça rentre dans la relation client au final. Mathieu, on a dépassé déjà pas mal. Donc juste si je reprends un peu ce que vous avez dit tous les deux, finalement, parmi les clés de ce marketing de crise, il y a la collecte de données. Donc, via le Cardex, Omar, c'est comme ça que tu as entraîné tes équipes récemment. Donc, la collecte de données, mais du coup, Mathieu, avec les outils, l'utilisation de cette donnée fine pour à la fois pour des ads, par exemple, mais aussi pour juste la communication, pour fidéliser et pour être dans le juste, quoi. Et aussi, finalement, la notion de paiement qu'on pourrait mettre en dehors de la question du marketing, c'est une notion de réassurance. Les clients ont besoin de pouvoir utiliser leur propre outil parce qu'ils ont peur de tout, peut-être pour certains, de ne pas aller sur le TPE, etc. Donc, pouvoir payer avec leur téléphone, c'est aussi un moyen de moins risquer d'être malade, par exemple. Hein. Donc, peut-être la rassurance et prendre soin de son client, mais aussi
lui montrer qu'on a déployé les outils pour qu'il soit en sécurité chez nous. Ouais. Je voudrais juste ajouter une chose, c'est que je pense qu'il faut voir ça comme un tout. Et il faut qu'il y ait beaucoup de cohérence dans tout ça. Et il faut qu'on puisse passer d'une étape à l'autre de manière très fluide. En tout cas, permettre aux clients de passer d'une étape à l'autre de manière très fluide. Et puis, il faut aussi voir ça comme un cercle vertueux. Parce que dans le process de check-in, dans le process de prépaiement, etc., on va être en mesure de poser quelques questions clés aux clients qui vont aller enrichir le Cardex. Et donc, en fait, de séjour en séjour, eh ben, on enrichit encore un petit peu plus son Cardex. Je finis juste sur cet exemple, mais on a un client, par exemple, qui demande un peu comme tout le monde, si je puis dire, est-ce que vous êtes là pour loisir ou pour, voyage, pour un voyage d'affaires? Mais surtout, il va plus loin. Si le client dit, donc ça, c'est dans la procédure de pré-check-in. Si le client dit, bah, je suis là pour un voyage d'affaires, alors il y a des questions supplémentaires qui apparaissent en disant, mais d'accord, est-ce que vous venez là régulièrement ou ponctuellement pour un rendez-vous? Et si c'est ponctuellement, ok, mais est-ce que vous êtes là pour un rendez-vous ou pour un salon? Et si c'est pour un salon, ok, mais c'est pour quel salon? Et puis, il y a une liste des salons du moment qui apparaissent. Voilà, donc c'est 3-4 questions. Dans les faits, ça prend 10 secondes au client pour remplir ces informations. Mais par contre, ces informations, elles vont être enregistrées. Et donc, les clients qui viennent au salon de, je sais pas quoi, des dentistes, bah ça, c'est enregistré sur leur fiche. Et les équipes marketing de cet hôtel vont pouvoir, l'année prochaine, 3 mois avant le salon du dentiste qui a lieu tous les ans, vont pouvoir automatiquement ou en quelques clics envoyer une newsletter ultra ciblée sur cette dizaine de clients qui est venue l'année dernière pour le salon des dentistes. Et ils vont leur proposer de réserver pour être certain d'avoir une chambre le jour J. Donc, voilà un exemple où c'est à la fois dans les procédures d'accueil, de dématérialisation du check-in, etc., on a réalisé ces opérations purement administratives, on a aussi collecté de la donnée pour faire des actions marketing l'année plus tard, enfin l'année d'après. Donc c'est là où on voit qu'on peut aussi créer un cercle vertueux pour observer et créer ce parcours client, finalement, il faut sans doute, comme le fait Omar avec brio, c'est d'avoir une vision pour son établissement, en fait, et du coup d'emmener ses équipes avec soi. Peut-être Omar, là, je annonce que le prochain webinaire donc aura lieu le mardi 9 mars à 15h30, et Omar est sans doute un de ceux qui nous a inspiré pour la thématique de ce webinaire. Ça va être comment garder le lien et motiver vos équipes en attendant la reprise. Donc du coup, Omar, en fait, j'aimerais bien, en conclusion de ce sujet, qui est un sujet sur le marketing de crise, sur les outils, mais en fait, on en revient à l'humain. On aura une question après, on va finir sur la question qu'on a dans le chat. Si vous voulez en poser d'autres, allez-y. Mais Omar, est-ce que du coup, tu peux nous rappeler à quel point pour toi, finalement, la base, c'est ton équipe, hein, ta vision et du coup, ton équipe autour de toi? Alors, parce que moi, c'est vrai que le sujet était un peu… Parce que nous, on est en construction encore, donc on reste quand même toujours à tâtons. Mais j'aime beaucoup ce que Mathieu disait tout à l'heure, parce que ça reste sur la notion du parcours client dont tu parlais aussi, Vanessa, sur la notion, en fait, de cette idée même d'aller jusqu'au point où tu offres de la musique. Et moi, je fais le parallèle entre la musique que tu vas vivre au moment où tu as décidé d'aller dans une destination et que l'hôtel te propose un push en te proposant, en fait, d'écouter un son ou une identité qui correspond à l'établissement. Et lorsque je reviens toujours à cette notion de vie, gifle, parce que je pense à tous nos collègues, à des hôteliers restaurateurs qui sont quand même dans la mouise et où c'est quand même extrêmement difficile, quand même malgré tout. Moi, j'ai eu la chance juste, alors peut-être par ma culture libanaise, de rebondir et puis peut-être me poser des questions un peu différemment. Mais ça a été le point d'ancrage et le point de tournant dans ma carrière professionnelle de me dire, c'est maintenant que les choses doivent changer. Et à partir de là, à partir du moment où vous posez cette question-là, où moi je me la suis posée de cette manière-là, j'ai été accompagné par mes équipes, avec mes équipes, pour atteindre en fait cet objectif-là. Et après, on change parce qu'on s'améliore ou on essaye au moins de tendre à ce que ce soit une amélioration, pas que pour le client, pas que pour le résultat financier, mais aussi pour le bien-être au travail. Et le fait qu'on ait, j'aime bien cette notion d'économie circulaire ou de cercle vertueux dont Mathieu parlait aussi tout à l'heure, mais ce que l'on donne, à partir du moment où on donne, on est certain de recevoir à un moment ou à un autre. Et on a tellement donné en fait en 2020 que on est arrivé avec des résultats incroyables sur 2021, une étoile Michelin, un voyage au Liban avec toutes les équipes,
une solidarité constante, une volonté en fait de les emmener et de les embarquer avec nous, un travail en commun pour créer notre raison d'être, parce que je ne suis rien sans eux. Donc tous ces éléments-là ont fait qu'on est ressorti grandi. Alors j'ai un peu commencé en disant qu'on avait gagné 5 ans, mais ça fait du bien de se dire que dans des temps aussi difficiles, on peut en fait en tirer quelque chose de positif, et en se disant plutôt que le verre est à moitié plein qu'à moitié vide. Et voilà comment j'ai un peu perçu moi cette vision-là, et j'espère que notre profession s'en sortira encore grandie en 2021 et dans les années à venir. Alors du coup, on va conclure avec la question. On a une question qui concerne l'irréputation en fait, et une observation qui dit gros problème de nous, c'est Fanny Prévost, gros problème de nouvelles clientèles sur la place parisienne qui descendent, et beaucoup d'hôtels sur TripAdvisor, GMB, etc. qui descendent en fait. Donc est-ce que toi t'as ce phénomène-là de nouvelles clientèles à Étretat, où les gens étaient bienveillants et t'as pas eu de problème de décalage de clientèle par rapport à ce que tu as habituellement? Il y a une nouvelle. Savoir qu'Omar est le seul hôtel ouvert. Hein. Je suis le seul hôtel ouvert. Première crise au moment de la réouverture, il y a eu de la bienveillance, mais après, il y a notre métier en fait d'hôtelier-restaurateur, donc on est bon et moins bon parfois, mais voilà, après ça c'est la vie normale. Il y a une nouvelle clientèle qui est en train de séjourner en France, en Europe, sur le continent, parce qu'ils vont pas ailleurs. Donc aujourd'hui, le niveau d'exigence de certains clients qui avaient l'habitude d'aller dans des destinations lointaines vient chez nous, et on a une clientèle qui est peut-être un peu différenciante, mais c'est à nous de nous adapter à cette nouvelle clientèle-là, de savoir créer du lien, de la prestation et de la qualité, un niveau qualitatif qui soit en fonction de leurs attentes, et puis qu'on adapte nos outils, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que là, on va travailler avec Mathieu sur la partie de l'application, sur la e-réputation, on va travailler en fait dessus. Et on a amorcé tellement de chantiers qu'aujourd'hui, on doit être prêt pour la réouverture de nos établissements. Et c'est maintenant qu'il faut travailler dessus, parce que ce n'est pas au moment où on va réouvrir qu'on va commencer à bosser en fait sur des sujets aussi importants que ceux-là. Donc, on finit sur une touche positive, c'est qu'en fait, au lieu de devoir couper sur ses budgets marketing, c'est le moment finalement de faire les bons choix et d'investir sur les bons outils pour que la reprise soit encore meilleure. Clairement, pour que la reprise soit bonne, il faut anticiper. Si on n'anticipe pas, on est mort. Mathieu, tu valides, bien évidemment. Oui, je valide. Après, faut peut-être réallouer certains budgets. En tous les cas, c'est pas forcément dépenser plus, mais c'est dépenser autrement et, de manière générale, travailler, réfléchir un peu autrement. Parce que alors, vous avez dans le chat dans hôtels le lien ailleurs, pour pareil. Le prochain webinaire. Pardon, Mathieu. Donc voilà, vous avez dans le chat le lien pour vous inscrire sur le prochain webinaire. Merci à tous pour votre attention et pour votre présence. Alors, pardon, il y a une dernière question, peut-être qu'on va la prendre, hein, si vous pouvez y répondre. Là, pour le coup, c'est encore pour Omar, je pense. Question aux hôteliers, avez-vous baissé vos prix? Ou est-ce que vous observez, sur la Côte d'Azur, j'ai observé une grosse baisse des prix. Est-ce que c'est le cas du côté de la Normandie Enfin, pardon de le dire comme ça, mais surtout pas. Enfin, je pense que c'est pas la stratégie à prendre. Que l'on fasse de la promotion, qu'on fasse en fait des ventes privées ou éventuellement, pour certains, s'ils veulent le faire et de manière ponctuelle, ok. Mais baisser les prix, non. Enfin, je pense pas. Je pense qu'on en vient à la question d'avant, hein, qui fait qu'il y a un décalage de clientèle. Si on baisse trop les prix, vous avez une clientèle qui ne correspond plus à votre standing et du coup qui a des attentes qui sont différentes. Enfin, vous créez un décalage qui ne correspond pas à votre produit et qui risque de perdurer pour le coup. Et en termes d'irréputation, il y aura des répercussions également. Donc, il faut être vigilant sur ça. Après, selon les destinations, parfois, il n'y a pas eu trop le choix pour remplir. Ça dépend de quels hôtels étaient restés ouverts. Il y en a qui ont considéré qu'ils n'avaient pas le choix et qui ont baissé les prix. Mais ça dépend des marchés aussi. Je rejoins Omar, hein, Mathieu. Ça dépend des marchés. Oui, l'offre et la demande continue. Enfin, on est sur un marché, donc il y a l'offre et la très demande. Délicat, mais effectivement, il faut quand même se poser certaines webinaire, poser des questions et pas forcément trop descendre au risque de se créer d'autres problèmes, évidemment.
Écoutez, je pense qu'on a largement débordé, hein. Donc, je vous remercie tous les deux, Omar, Mathieu. À vous. Si vous voulez en savoir plus sur Omar, n'hésitez pas à nous demander. On vous donnera peut-être pas ses coordonnées directes, mais en tout cas, on vous en dira plus sur l'hôtel. Et Mathieu, si vous avez besoin des coordonnées de Mathieu, pareil, par contre, on vous les donnera volontiers. Oui, Merci ma pour paix, moi, votre du coup. attention et j'espère que vous serez nombreux le mois prochain pour le prochain webinaire sur les équipes. Merci à vous. Merci À bientôt. beaucoup. Au revoir. Merci, salut à tous. On va laisser.